Demba ni sea de kunzob di demba dan tuen dan demba ni sigiyoruz. Da demba ni di kunzob di demba sena da kunzob di demba de inci de inci kamde rabuçu yina dene çıkla çık dene tabci çubda bayim bati kunzob di demba re çıkla çık dene ne giyore penan de kuru de rabuçu çaşana dene kawa duma çilo reyo di kurgu kep onda dezo ganga ye yu ding changma chun dune so yundu kur denba yor di kunzop di denba kunzop seade kongane mayin bachil su yor kunzop se ta ti denba re kararsuna karansu ngaranzu jigdi mendrabu jil chashyana mi lu Tene tela wangbo, ne shepa, tenzo ganga chikla chik tene luse. Ta lundi tela dadu zon danzi insi. Tene danzi insi tela tene chik ngopo la, ane de zugre, de dare, de tere, de reg, rore, de regjare, ane nangi shepa nga la tenbe wangbo nga yi juni shepa nga cho. Di yuzuk dati ro rikja chwe gangalan dhepa che di dhinzo tso ne dhinzo che di kunzub jiten bari tamchi chikla chik dhin kunzub ta di di ngone chane ki dhenpa chik re nukbe se na dhenpa re yo ma re kanla she na dhenpa se ya di kanda chik gugru se na chikla chik dhin goba ma yin pa chik gugu yo re pe na lupo di dhenpa yi na dhini big mic lu mare nawa lu mare na lu mare chi lu mare ane te na shi gu zu nga ran zu sha da ru ba pang ba cha la so ba nang ge za tam ji lu bo re yo mare so 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 de lu bo yo mare ten da yin ba son za lu bo de ka ba de ce gi yin lu bo de za wa de ne me ba shi re ti yan la te na ran ran su su gi yin na yang tene ting wo ye yun dun yap cho kasa kane chik tsangwa tumbu tumbu cha deba yinpa sonza tene mik chik rabo chik cha shana mik ting, mik wo, mik ye, mik yun, che, nang, ganga tumbu tumbu cha deba mik yang chuku yo ma re mik yang yo ma re tene nashin ke lupo nden rabo chik na wangbo nga tenga ganga tsangwa 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 yo ma re me deba te ta ten tambe ki denpa le tene tsangwa me ba tongpa nyi yinpa te tuandam chi denpa re tenda yinpa sonzang di kunzo ku denpa te tenda chi denpa te me na tuandam ku denpa te yon tuku yo ma re o ti yindu ane cho jing ne tam chi yo re si chi ne takpe tala zung deba cho jing ne tam chi yo ma re si ne me pe tala lung ma deba te takshi nyi kata tatan chowa ti Tene dini sunju si yi tuen yi sita sheji chwe tamche ki nelu di denpa nyi di yi nelu ti tole ane sheji chwe tamche yuebari yuesa ki chone kunzo ku denpa li yuebari mebe chone tuen da ku denpa mebari dini sunju re tene yinpa sonza di denpa takchi tatan chawa denpa nyi yi tuen Ani rukur thadra chunyi lamcho kisena mepala yimbarta yabakti dhotakpasi. Mimbala yimbarta. Pena lam dunghaj denpa, mimbala dunghaj denpa resana dhotare. Dunghaj denpa pongwagi lamji denpa yu yindu yoma resana te kurnepri. Te yindu ani lamji denpa la tene lamji denpa te kunjung nyomombe ki denpa te la tene lamji denpa de yungu yore kanla sena ne yuwa la tene me yungu yore ti indi kunjung nyomombe ki denpa te la tene lamji denpa de ranji ki chade yore tena indi kunjung nyomombe denpa yoy jindula yoy mare samna te kundepre ane lamji denpa te la tene kunjung nyomombe te pa pangne ngobu denpa ndrebu nyangane denpa de toya yore Ti mebale yobarisena dhodare, yu yinpa tila mebarisena kundepe. Ti yinda dhokuru,
Now I got the copy which is translated by the Eric Pema Quinza, which is very comfortable for me to read. So I will read this. Maybe you don't have this copy, but meaning in any way same. Okay. Through the nature of the ground, the two truths, free from the extreme of eternalism and nihilism. Eternalism is something like world is absolutely true. World is created by great mind guru. Mind guru is all the time there. He is the great, he is the permanent, he is the absolute. Okay. Now you are guru. So world is created my guru. Guru is everything for me. Guru is forever there. Guru will never die. Yeah? So that is eternalism. Nihilism means no, there's no cause and effect. Everything comes by itself. There's no next life, no past life. Things happening by itself. Many scientists maybe think that. Yes, like the zero believer, yeah? Zero believer means scientists, many scientists. They say zero is the source of everything. So zero is the kind of platform. Everything can happen by itself. Yeah? So that is nihilism. Yeah. So if you free from this extreme of the eternalism, nihilism, that is the two noble truth as a base means two noble truth is in the relatively everything is depends on one another. So I use the example of this tent, pillars, beams, the covers, all one depends on one another, happened nice tent. As well as our human body, all the faculties,
consciousnesses and the body. Yeah, the flesh and bone structures, nerves, skin, all together we have a form, a physical form of human, and we can cling on it as well as something then you contact to forms through eye you see the things, through ear you contact to the sounds, and you can distinguish about the sounds, you can through your form you can touch and feel it, or through tongue you can taste the food, and so on. All these together, many one depends on the other, can have everything. It is relatively exist there. And if you search the real existence, you will not find from every part of everything. You cannot find the tent. From every part of the tent, you cannot find the tent. You cannot find the body. Each of the pieces does not carry the things that you cling on, like my form, my body. You cannot find. So that is the absolute truth, is nothing is real exist there. Relatively, everything exists there. If the relative, by cause of the relatively, everything exists, therefore, absolutely nothing exists. So if you change, if you add a little good knowledge, then zero believers were accurate. So zero believer, I just made up this word, the scientists. The zero is the source of everything. Means this zero is absolute truth. Relative truth and absolute truth. Zero is not the zero that what you believe. Zero is the Dhammakaya, maybe. The truth that what we, something that we cling, we are clinging on, each is never exist within the phenomena. That is, zero. Zero subject is quite deep, actually. It's not, scientists are almost reached to the point, but then they're stuck on the zero. I will say zero, from that zero, then you can go furthermore, is beyond of zero. Then that's the correct one. Okay? And the supreme part, the true accumulation free from the limits of exaggeration and denigration. The supreme path is true accumulation, relative to, therefore, accumulating right cause is necessary. Accumulating the right cause. Right cause means in order to grow a vegetable, you need fertilizer, water, and right place, and then seeds, and then you can grow it. So the right cause to accumulate is necessary. So on, here, for the enlightenment, accumulation of merits is necessary, because, for instance, this life comes from a good merit. And if you don't go into accumulation of the good causes, you may not attain it again. You may not have it again. And before you enlightened, if you became dog, then you will not be enlightened. And then after dog, you may get cat. Then cat is more aggressive than dog, because always hunting mouse. And after cat, then you will be mouse, maybe. After mouse, then you will be
I don't know. What else? Maybe scorpions or like that. No? So then it goes like that, you know, endlessly. Therefore, right cause is needed. Right cause is needed. But if you stuck on the right cause, that which is true, it is there, right cause, but right cause forever is not so possible. You can go into mistakes easily because you have self-clinging. You have the negative emotions connected to the self-clinging. Therefore, the accumulation of the wisdom is needed, which that you produce by meditation, Shine and Lathong. Lathong is the main one that accumulate the wisdom or the accumulation of the wisdom. So these two combine together, one side through the generosity practice, etc., accumulation of merits. On the other hand, then vipassana, the samatha and vipassana meditation. These two together, combined together, then we attain the fruition of the two benefit, free from the extreme of existence and peace. Yes. One side, you will not be stuck on a certain limited level of meditation. On the other hand, you will not be fall in the samsara. What you will attain is, may we connect with such a teaching, free from error. Therefore, then you will achieve the fruition of the four kayas of Buddha enlightenment. Donc, nous en venons à présent à la stance 6. Donc, Rinpoche a pris une autre traduction, celle qui a été traduite par Eric Pema Kunzang. Donc, nous restons avec la même traduction française. Alors, par le sens de la base, les deux vérités, libres des extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme, et le sublime chemin, les deux accumulations, libres des extrêmes de l'exagération et de la dénégation, l'on obtient le fruit, les deux bienfaits libres des extrêmes du samsara et du nirvana. Alors, ici, il est question donc de deux extrêmes, de l'extrême de l'éternalisme, qui est donc la croyance dans l'existence, c'est-à-dire que les choses existent en dernière analyse, ultimement. Il s'agit également de la croyance, par exemple, que le monde et l'univers ont été créés. Par exemple, nous pouvons penser, l'on peut imaginer que l'on croit que le gourou, par exemple, le maître qui vous a enseigné, est le créateur, que c'est lui qui a créé cet univers et ce monde, par exemple, et que ce dernier est lui-même un être éternel, que ainsi le gourou sera toujours présent, qu'il ne connaît pas la mort, etc. Ce genre de croyances-là sont cataloguées comme étant les croyances de l'éternalisme. À l'autre extrême, vous avez la croyance dans ce que l'on peut appeler, on l'a traduit ici par nihilisme, c'est-à-dire c'est l'idée que ce monde, par exemple, n'a pas de cause, qu'il apparaît de lui-même, que nos pensées et nos actes n'ont pas de conséquences, ne déterminent pas ce que nous sommes et ce que nous devenons.
qu'il n'y a pas après la mort quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de vie après la mort, par exemple. Ce genre de pensées sont diverses formes de croyances dans le nihilisme. Rinpoche, c'est un terme spécifique de ceux qui croient en rien ou en zéro. Zéro comme le source de toute chose. L'on peut également inclure dans cette catégorie certains scientifiques, par exemple, qui pensent que le rien est le source de toute chose. Le néant est le source de toute chose. Ensuite, il est ici question des... Donc la base, ici, par le sens de la base, les deux vérités libres des extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme, ceci qui est accumulé à travers les deux accumulations, donc les deux accumulations sont les accumulations de la sagesse et du mérite, et il est question ici des deux vérités. Donc la vérité relative, appelée Samvritti Satya. Ce terme désigne donc quelque chose, une vérité par exemple, qui est caractérisée par les choses interdépendantes. Donc le terme Kunzop en tibétain ou Samvritti Satya en sanskrit veut dire quelque chose qui est un faux semblant, qui n'existe pas tel qu'il nous apparaît. Or, ce que nous associons à une chose qui existe ou qui soit vraie est une chose qui existe autonomement et indépendamment. Or, tous les phénomènes, par exemple, prenons l'exemple de cette tente sous laquelle nous nous trouvons, elle est formée d'une structure. Il y a la toile, les piliers, etc., qui tiennent cette structure. Or, de la même manière, nous voyons notre corps. Notre corps également est conditionné, est un assemblage, une structure. Ainsi, même nos perceptions, par exemple, notre perception de formes et de couleurs est également quelque chose qui est interdépendant, qui n'existe pas autonomement. En ce sens, les sensations apparaissent en dépendance à la conscience. Par exemple, une sensation visuelle dépend, ou auditive dépend de la conscience liée à ses sens, aux sens eux-mêmes et à leurs objets, qui, de leur dépendance mutuelle, permettent la perception. Donc, si l'on cherche la réalité autonome, l'existence ultime, en dernière analyse de ces phénomènes, nous ne pouvons les trouver. Donc, ils n'existent pas tels qu'ils apparaissent. Donc, en ce sens, ils n'ont pas d'existence réelle. Et c'est cela qui est donc ce qu'on peut appeler la vacuité d'existence autonome que l'on impute au phénomène. Et donc, à l'analyse, à l'examen, l'on peut voir que tous ces phénomènes n'ont pas, en ce sens, une existence autonome et inhérente. Et donc, nous pouvons penser que cela est, l'absolue non-existence, qui est différent de ce néant dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la science. Nous parlions plutôt, par exemple, de la corde de réalité ou dharmakaya, la réalité ultime. Donc les scientifiques se limitent en quelque sorte à
à l'idée d'un rien, comme d'une forme d'existant. Il faudrait aller par-delà cela encore. Il ne s'agit pas d'un absolu. Donc cette vacuité, l'absence de réalité au phénomène relatif n'est possible que en dépendance à la réalité relative. Donc, en ce sens, ils ont une base commune. Donc les deux accumulations dont il est question ici, libres donc des extrêmes de l'exagération et de la dénégation, sont les deux accumulations sont l'accumulation de mérite et de sagesse, qui sont les causes appropriées pour l'avancement vers l'éveil. Si l'on tombe dans le développement uniquement de l'accumulation du mérite, il se peut que cela mène, par exemple, à des bienfaits, mais qui ne peuvent aller par-delà l'existence conditionnée. En ce sens, tout d'abord, en premier, on pourrait dire, si l'on n'accumule pas mérite et sagesse, eh bien, l'on restera limité dans la dualité, dans l'égarement, dans l'existence conditionnée. Nous ne pourrons dépasser de cette condition. Ainsi, par exemple, si nous prenions une existence animale, si nous étions un chien, il se peut qu'après cette vie, nous reprenions naissance en tant que chat. Et l'existence de chat est caractérisée par une plus grande agressivité, du fait qu'il chasse sans cesse, par exemple, les souris. Et je ne sais que l'on peut devenir après. On pourrait imaginer devenir un scorpion ou autre animal, on pourrait avoir ainsi resté dans une existence qui est empreinte, caractérisée par la souffrance. Donc l'idée des deux accumulations de mérite et de sagesse, c'est d'assembler les causes et les conditions pour notre possibilité de dépasser notre existence conditionnée, pour accéder à l'éveil parfait. C'est un peu comme si vous voulez faire pousser une certaine graine, il vous faut rassembler l'eau, les fertiliseurs et autres conditions pour que cette graine puisse, mûrir et devenir la plante désirée. Donc de même, dans l'accumulation de mérite, par cela, nous pouvons accéder à un bien-être au sein de l'existence conditionnée, obtenir les conditions favorables, et de même, par exemple, par la pratique de shamatha, nous pouvons accéder aux degrés élevés de la réalisation de shiné ou shamatha. Mais si cette pratique n'est pas associée à l'accumulation de sagesse, c'est-à-dire cette compréhension de la réalité ultimement, par-delà donc par-delà l'exagération, c'est-à-dire ici, par exemple, attribuer une existence là où il n'y en a pas, et la négation, c'est nier les qualités, dire qu'il y a un rien, tomber dans l'extrême du néant. Donc vous avez d'un côté l'exagération, c'est tomber dans l'extrême de l'existence ou de voir la présence de quelque chose qui n'existe en réalité pas. Et l'autre extrême serait de dire qu'il n'y a rien, c'est le néant, qui est l'extrême de ne pas reconnaître
la réalité telle qu'elle est. Donc, la sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont véritablement, ultimement, au-delà de toute dualité. Et ainsi, la pratique de Shamatha, associée à la pratique de Lakton ou Vipassana, nous permet d'accéder au dharma ou à la réalité libre de toute erreur, de tout égarement, et d'obtenir par ce fait l'existence, au-delà des limites ou l'état au-delà des limites du nirvana et du samsara, l'éveil parfait caractérisé par les quatre corps, les quatre kayas dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'extrême du nirvana, ce serait par exemple l'obtention de la réalisation du chemin du Shravaka, c'est-à-dire c'est une existence au-delà de l'existence conditionnée qui n'a pas de conséquences, de bienfaits pour les autres êtres sensibles, qui est un bienfait seulement pour le pratiquant lui-même et qui en ce sens abandonne le samsara ou l'existence conditionnée. Et l'autre extrême, ce serait de ne pouvoir accéder à un au-delà de l'existence conditionnée et d'être limité au samsara. Donc l'éveil parfait se situe par-delà ces deux conditions, tout en, donc, en accomplissant les deux buts, les deux bienfaits, tels que c'est marqué dans la traduction, son propre bienfait, l'obtention de l'éveil parfait pour soi, sa libération des limites de l'existence conditionnée, mais sans pour autant être limité dans le nirvana, en ce sens de pouvoir développer un bienfait, une grâce pour tous les autres êtres sensibles sans exception.